Nous voilà sur le vaisseau fantôme. Mais comment font les fantômes pour amarrer leur bateau à quai? La corde doit leur traverser les mains, c'est pas possible. Capitaine, il y a un passager clandestin à bord. J'ai demandé aux hommes de fouiller les ponts. Excellent! Et quand vous l'aurez attrapé, nettoyez le pont avec son corps. Servez-vous de ses narines comme balai et de ses aisselles comme serpillière. Est-ce vraiment nécessaire? On pourrait juste lui remonter les bretelles et le débarquer dans le prochain port. Personne ne remontera de bretelles sur mon bateau, Moussaillon. Nous sommes des pirates sanguinaires, pas des remonteurs de bretelles. Et je veux que ce marin d'eau douce soit pendu à la plus haute vergue par les tripes. Oh, c'est horrible. Mais au moins, on n'aura plus de problème. Il ne peut pas accéder à cette partie du navire. Les hommes nous ont barricadés à l'intérieur. Ah, pourquoi tu te barricades toujours avec moi, crétin? Bon, qu'on en finisse. Attrapez-moi cette vermine, et vite! Et bonjour à tous les amis, bienvenue à vous pour cet épisode 13 du SP Medieval Resurrection, j'espère que vous allez bien. What the fuck? Ok, on va changer d'arme tout de suite. Nous sommes du coup sur le navire fantôme, si je ne m'abuse. Et on va faire le ménage tout de suite de ces vilains pirates. Allez, dégage! Niveau spécial. Qu'est-ce qu'il a lui? Dégage! Oula, il y a des lags et tout quoi. Mais dégage, enfoiré! Voilà, c'est bon! On est donc du coup sur le navire fantôme. Alors avant de commencer cet épisode, j'espère que vous m'entendez bien puisque j'ai changé. Mais pourquoi il y a ces lags là? C'est bizarre. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai changé de micro. En fait, je suis passé sur un casque avec un micro du coup dessus au lieu d'un micro sur pied. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, c'est beaucoup plus agréable pour moi d'avoir un micro sur le casque étant donné que j'ai pas besoin d'être directement devant le micro et du coup vous m'entendrez plus homogénément, enfin bref, ça devrait être mieux pour moi, enfin pour vous, la qualité sera peut-être pas forcément meilleure, mais en tout cas ce sera mieux, voilà, ça sera mieux, tout simplement. Alors, on va lire le livre, le bouquin. Graffiti de l'ancien marin, ce canon est si gros et si puissant qu'il pourrait envoyer un homme mince jusqu'au bout de ce bateau. Ça va, si gros et si puissant quoi. Hélas, il n'y a pas assez de poudre dans cette partie du navire pour que je puisse vérifier ma théorie. Encore une grande découverte scientifique qui nous échappe par manque de moyens. Et oui, j'avoue que le canon est assez imposant, quoi. On verra ça plus tard. Graffiti de l'ancien marin. Presque tout l'équipage semble sous le contrôle de quelques officiers. Sans eux, ils seraient comme des poulets sans tête. Je croyais qu'ils auraient les pieds plus laids que ça. Très intéressant. Info très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, oh, ça sent le secret. Et voilà, le secret. Non, pas du tout. Je pense qu'on en avait besoin de toute façon pour continuer l'aventure. Donc voilà, ruine du chaos, très très bien. Il y a rien d'autre. Non, il y a rien d'autre. Nickel. Peut-être qu'on en avait pas besoin, mais en tout cas voilà. Est-ce que c'est... Ah bah c'était ici, donc si on en avait besoin de toute façon. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut passer par là. D'accord, il y a d'autres pièces. Eh bien, on va tout explorer. Oh non, pas cela. Je les aime pas cela. Attendez, on va prendre l'arc. Ultra puissant que j'ai même pas pu tester du coup. Alors, 1, 2, 3. Oh, 3 flèches. Alors ça, c'est très intéressant. 3 flèches, c'est vraiment cool. On a d'autres poudres à canon. Alors, est-ce qu'ils nous disent combien il en faut? 2 sur 7, très bien. Donc ça veut dire qu'il en faut encore 5. Je sais compter, nice. Est-ce qu'on peut le tuer d'ici, lui? Je me demande, attendez. On va faire ça. Je ne sais pas, écoutez. C'est pas mon problème pour l'instant. On va le laisser tranquille. J'ai plus que 9 flèches, donc... On va faire attention aussi, si on trouve un marchand, on ira en acheter un peu. On va passer par là du coup. Ok, donc ça, est-ce qu'on peut pousser ça? Non, on peut pas pousser ça. Tristesse. C'est la tristesse, franchement. Bon, ça doit pas être par là alors. Ah, on peut le tuer d'ici. Nickel, comme ça, bon bah voilà. On n'a pas à s'en préoccuper. On va juste essayer quand même. Ah non, on peut pas, faut pas abuser non plus. Je suis pas aux commandes d'un super héros. Hein.
Je suis aux commandes de Sir Daniel Fortes, faut pas abuser. Alors du coup si, ici c'est ouvert. On va peut-être récupérer l'épée hein, histoire d'économiser un peu. Cette arme super puissante. Je pourrais prendre la hache aussi, éventuellement, qui est juste énorme. Ah d'accord, il fallait tomber. Oh bah très bien. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas trop mal comme technique. Oh du fric. Nice. Bon, ah nickel, il y a un vendeur ici, on pourra y aller tout à l'heure. Et il y a des rats. Est-ce qu'on peut... On peut les tuer mais ça donne rien. Je l'avais déjà fait je crois au niveau un niveau, je ne sais plus lequel mais voilà. Ok. Alors. Bon, essayons de pas tomber cette fois-ci. Ça m'a servi une fois, à mon avis, ça sert à rien que je tombe en chaîne. Bon. Est-ce qu'on peut... Oh nickel. Un peu de fric. On va passer par là. Le niveau a l'air assez petit mais au final avec toutes les salles il peut être possiblement grand. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Totalement totalement fou. Salut. Petite liquette oui éventuellement. On va prendre de la vie. Allez encore puisque je suis blindé en fait. Et purée ça coûte 80 points PO. Pièce d'or du coup. Bah écoutez, on va se faire plaisir. Voilà. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Je pense que de toute façon, ces arcs là, arbalète machin, je pense qu'on ne s'en servira plus étant donné que cet arc est juste pété. Et puis les lances aussi sont pas mal. Mais j'ai... Oh nickel, il y a une fiole ici. Il va vraiment falloir la récupérer parce que plus de vie égale plus de swag égale plus de joie, n'est-ce pas? Cela va de soi. Cela va de soi. Alors attention. Ah ni... Waouh, il y a un baril ici. Bon, j'ai des lags, je sais pas ce qui se passe. C'est pas juste bizarre. Bon ça va, c'est pas intempestif on va dire. Donc très bien. On peut pas aller en haut là-dessus. Donc ok. Bah on va aller ici hein. Ah. Enfoiré. Complètement nul. Il m'a fait aucun dégât. Alors du coup est-ce que je tombe? Oh nickel, je tombe ici. Alors parfait, flacon de santé. Je suis refait. Complètement. J'ai du coup... Du coup j'ai 6... 7. J'ai 7... j'ai 700 points de vie en gros. Enfin 700 points de vie possible. Là actuellement j'en ai un peu moins mais... Ça fait pas mal. Ça fait quelques points de vie quand même. Hop. La rune de la lune. Je l'ai. Oh là on va se calmer en bas là. Hein. On va se calmer tout de suite. Je pense qu'il fallait tomber j'espère. Non mais calmez-vous enfin. Ça ne sert à rien d'être... Bon alors lui il est complètement à la ramasse. Attendez mec. Eh oh. Non bon voilà, nickel. 57% du calice. Ça va pour l'instant, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée quelque part? Bah par là. Alors il me semble qu'il y avait quelque chose juste avant. Donc est-ce qu'on aura une entrée plus tard? Je ne sais pas. J'espère. Passons par là, je pense que c'est la seule issue. Oh là là. Alors, ok. On va tester l'onde de choc du coup. Ah. Oh là là, mais c'est complètement pété. Mais ça a tué deux. Oh là là, mais c'est énorme. La puissance de l'arc. Et ça me coûte qu'une seule. Oh là là, mais c'est juste énorme. Je vais garder ça. Hein. C'est juste trop pété quoi. J'ai pris aucun dégât, je crois en plus. Hein. Nickel, il y a une fiole là-bas. Très très bien. Ah, on va juste activer ça. Ah. Oh là là. Non non, il m'a même pas vu quoi. L'IA un peu débile sur le coup. Allez salut. Un peu de vie. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et non. Non. Et non. Au revoir. Il y a une entrée ici aussi. Où est-ce que ça m'amène? Attendez, what the fuck. J'avais pas vu cette entrée. Attendez. J'avais pas vu cette entrée. Bah heureusement que ça me ramène ici parce que sinon j'aurais loupé tout ça. C'est pas bien grave mais bon. Où est-ce que je suis pas allé? Je viens d'en haut. Ah non pas du tout. Rune du temps, très bien. Ici bah pour l'instant c'est bloqué. Bon bah revenons en haut. Et du coup la rune du temps était nécessaire pour la porte qui était en haut tout là-bas. Allons-y. Yeah. Très bien. Oula, 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 j'aime pas ça.
Oh non, il y avait ça dans Medieval 2 aussi. J'étais complètement nul. Mais ça a l'air d'être un peu plus maniable, je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce que c'est beaucoup moins loin et que sur PS1 c'était très très mal foutu. On est sur PSP quand même, je vous le rappelle, donc c'est quand même un peu mieux géré, j'ai envie de vous dire. Nickel. Très très bien. Très 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 bien. Franchement, pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Tiens, il n'y a plus de musique, c'est marrant ça. Plus de musique, plus d'ambiance. Tout est froid. Ah si, ça recommence. Il y a un baril là-bas qu'il va falloir aller chercher. Du coup, oh là là, bah, c'est le moment plateforme là. Une espèce de cage. Il y en a plusieurs d'ailleurs. On va d'abord aller récupérer le baril qui est là-bas. Et ensuite on verra. Hein. Chaque chose en son temps. Hop. Le baril c'est fait. Et bah de toute façon il va falloir aller en bas, mais je pense que on va pas y aller en sautant comme ça. On n'est pas des fous non plus. Pas abusé. Oh, onde de choc. Ah d'accord, mais ça l'a tué en un coup lui. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés ou c'est mon onde de choc qui a fait ça? Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Yes, un autre baril. On en a combien? On en a 6 sur 7. Je pense qu'il va en falloir 7 du coup pour accéder ici. Et pour accéder au boss. Je sais pas si c'est un boss, mais ça en a tout l'air. Alors, ma théorie serait... Alors comment on fait pour du coup... Oh attendez là. Comment on va faire pour remonter? C'est quoi ce délire? Est-ce qu'on peut pas... Non, attendez. Réfléchissons. Là il y a des trappes. Mais je ne peux pas apparemment tomber. Donc, pour l'instant ok. Il y a une espèce de porte ici. Non, je peux pas passer de toute façon là, on est d'accord. C'est impossible. Bon, très bien, c'est impossible. C'est bizarre, j'aurais bien vu ça tomber, enfin s'ouvrir, mais apparemment non. Comment on va faire pour rejoindre une de ces plates? Je le sens pas du tout hein. Ah si, on peut, ah, on peut. Ah bah alors là, franchement, je pensais pas hein. Je pensais qu'on allait tomber comme une grosse, voilà hein. Vous le savez, mais apparemment non. Du coup on va aller ici. Et ça va peut-être... Est-ce que ça... Mais non, ça monte. Je pensais que ça allait me descendre moi, n'importe quoi. Ah mais y a que... Oh nickel, il y a le calice. Ça, c'est très très bien. Quelque chose derrière, non. Rien du dessous. Allez. Un peu de vie aussi. Très bien, je crois que je suis quasiment full. Ouais, je crois que je suis full avec ça. Hein. Je suis full et il m'en reste encore en plus de la fontaine. Très bien. Mais ça ne m'avance pas plus que ça. Est-ce que ça, ça pourrait descendre jusqu'en bas? Moi, je veux bien aller en bas. Hein, mais alors... pas en tombant, quoi. En tombant, je vais juste mourir. Non, 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 je vais pas tomber par là non plus. Bah écoutez, on essaye, de toute façon j'ai de la vie. Tombons. Ah bah, ah ok. Ah bah très bien, il fallait tomber en fait. Alors ça, je m'y attendais pas. Hein. Bon alors on va se calmer, onde de choc. Beaucoup trop simple. Oh là là, déjà 100% du calice, franchement cette arme est géniale. Je pense que je vais la garder. Bah pas grand chose à faire. Ah bah nickel, voilà la... La grille, ça c'est pour remonter, je suppose. Donc on va ouvrir ça. Alors. Attendez, 6 sur 7. Il me manque un baril là. Attendez, est-ce que j'ai pas loupé un truc? Ces boîtes, on peut pas les péter. Attendez, quand même, on va tester hein. Non, on peut pas péter ces boîtes. Ces boulets de canon ne servent à rien. Ça, ça tourne, bah très bien hein, que ça tourne. Je suppose que si on prend cette cage, ça va nous remonter bah en haut. Oui. Ça c'était prévu, on va dire. Mais alors qu'est-ce que... Où est-ce que j'aurais pu louper le baril? C'est bizarre ça. Attendez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on aurait pu louper? Attendez, je vais quand même redescendre.
je vais redescendre parce que il y avait un accès. Enfin, j'avais déjà visité, on est d'accord, mais attention quand même. Je vérifie que c'est pas là parce que ça me paraît bizarre que cette salle soit complètement vide, vous voyez. Il y a vraiment rien quoi. Très bien. On va dire qu'il n'y a rien. Ici du coup on avait trouvé la rune. On a trouvé la rune ici, c'était pour remonter à gauche. Là il y avait le levier donc qui a ouvert le passage ici. Je me refais un petit peu les étapes dans ma tête hein, parce que du coup s'il faut trouver le dernier baril, voilà, pas le choix. On va remonter là. Ah il est là-bas. Très bien. Nickel. Bah, très très bien. Eh oui. N'en mettons pas plus qu'il ne le faut déjà. Enfin. Alors, comment ça se passe? Je me mets derrière le canon, je mets la poudre. Mon bon ami, il est temps d'essayer ce canon. J'allume la mèche et on grimpe en vitesse. Hein? T'as compris? Non, ne fais pas l'enfant. Tout ira bien. Je serai à l'abri dans ta tête. Et toi, bah, tâche d'atterrir sur un os bien solide. Attends, laisse-moi réfléchir. Pas mal. Oh d'accord, nickel. Alors, boss direct. Très bien, on se dit même pas bonjour ni voilà, ni rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une massue, très bien. Donc, il va falloir se servir de la massue. On le sait. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Attendez. On brûle ça. On active ça. Non. Ah oui, il faut taper. On s'en souvient. Ce fameux truc complètement pas logique. Vas-y, essaye de me tirer dessus. Mais il est complètement nul ce boss. Quoique, attendez. J'aurais peut-être pas dû prendre la massue tout de suite. Hein, parce que du coup, elle était déjà quasiment full. Avant que. Non, bah, du coup, il faut. Voilà. Ça va être chaud. J'espère que je vais avoir assez de ma massue, parce que j'ai plus que 70. Je sais pas comment on va faire sinon. Si elle est complètement consommée, comment on va faire? Je suppose qu'ils vont nous en donner une, enfin ils peuvent pas. Voilà. Bon, je vais l'économiser déjà. Et voilà, nickel. Ok. C'est reparti. Allez, montre-toi. Il est un peu stupide hein, ce boss. Pour marcher comme ça en mode oui je m'en fous, je suis le pirate. Allez reviens. Ha. On va avoir un bon timing quand même hein. Ha. Yeah. Beaucoup trop nul. Non. Et attends, j'ai plus de feu. Ah enfoiré. T'aurais pu me laisser hein. Allez, il fait appel à ses soldats, je vais utiliser ça. Ça va être vraiment chaud parce que j'ai vraiment plus beaucoup de ma massue, j'ai 38% je crois. Donc c'est hard hein. Par contre au niveau de la vie je suis bien hein. Là sérieux je peux difficilement faire mieux. Ça va être chaud, ça va être tendu. À moins qu'on puisse utiliser autre chose pour allumer les canons. Je ne sais pas, on va voir. Ou alors ça va me suffire hein. Qui sait. Ok. En tout cas il lui reste plus beaucoup de vie. Mince. Ok, il va faire appel à ses soldats. Ou alors il va lancer des... Non, il fait appel à ses soldats. Très bien. Ils sont complètement nuls d'ailleurs. Franchement. On dirait les ennemis du niveau 2 quoi. N'importe quoi. Je suis pas digne de ça. Enfin, donnez-moi plus fort quoi, s'il vous plaît. Enfin non, me donnez pas plus fort parce que... Si je le dis, ça va se faire donc... évitez. Mais regardez, j'ai plus que 8%. Comment on va faire? Okay. Est-ce que je peux pas lui... Non, je peux pas lui en rebalancer. Hein. Non. Voilà, je n'ai plus ma machine. Ah, nickel. Ils m'ordonnent. Oh, ils sont vraiment sympas. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais ils sont vraiment, vraiment cool dans le jeu. Ils me redonnent une massue, quoi. Je pensais qu'on devait vraiment se débrouiller avec ce qu'ils nous donnaient direct, quoi. Ah oui, non, c'est bien pensé. Bien pensé, mais peut-être un peu trop simple, du coup. Mais bon, si on avait plus de solution, ça serait un petit peu bête, quoi. Donc en même temps c'est compréhensible. Bon, il est bientôt mort de toute façon. Allez, un petit dernier coup. Est-ce qu'il va se changer? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième forme ou pas? On va reprendre ça quand même. Ah non, absolument pas.
Nous avons pris le navire. Baissez le coq, hissez la grande toile. Zouquez avec les artillons. Enfin bref, remuez-vous et cap sur l'antre de Zarok. Le panthéon des héros. Encore toi, ça commence à bien faire. T'as pas une crypte à toi? Alors étonnamment, j'ai trouvé ce niveau très très simple. Mais alors vraiment quoi? Je sais pas si c'est grâce à l'arc qui était complètement pété. Mais sérieux, bah je sais pas, je pensais avoir beaucoup plus dur. Oh là là, alors attendez. Waouh. C'est le dernier truc, sérieux? Ouh là là, oh, ça va être épique. Bon allez, let's go. C'est parti, je pense que c'est le moment qu'on attend tous. C'est parti. Daniel, te voilà mon amour. J'étais si inquiète quand tu m'as quitté. Et viens par ici que je puisse te regarder. Tu vas bien? Tu as l'air plus faible qu'un petit minou qui vient d'échapper à un berger écossais. Je sais que tu as un cœur de héros, Daniel. N'écoute pas les autres. Les hordes de moqueurs, les millions de railleurs qui te surnomment gueule de cible. Ils ne te connaissent pas comme moi, Daniel. Et je vais t'aider à leur prouver qu'ils ont tort. Je suis une irréductible celte. J'ai donc une panoplie d'éclairs magiques à ma disposition. Tiens, tu peux t'en servir aussi. Mais sois prudent quand même. Ces éclairs provoquent de terribles brûlures, voire des hémorroïdes. Oh là là, si ça c'est pas énorme! Attendez, foudre. Ça se passe où? Ça se passe là? Oh. Waouh! Alors ça. Bon, je sais pas si je vais. On fait un petit test. Ok. Je vais pas m'en servir parce que je suis pas sûr qu'on puisse le recharger, très honnêtement. Donc on va faire gaffe. Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas où on en est exactement dans le jeu. Puisque. Enfin, clairement, ça pour moi, c'est l'objet final. Je sais pas si on peut clairement avoir mieux. Lui, il nous a donné un arc. Lui, il nous a donné le bouclier d'or. Mais ça fait longtemps quand même. Donc, clairement, je pense que c'est l'objet final. Je suis pas sûr à 100%. Mais ça doit être un des objets finaux. Puisque foudre, quand même, un truc comme ça. Oh là là. Ok, l'antre de Zarok, quoi. Ça ne rigole plus. Et en plus, on ne peut pas avoir de calice dans ce niveau. Donc, à mon avis... Attendez. Attendez, j'ai envie de voir un truc quand même. J'ai envie d'aller voir un truc avant de vous laisser ici. C'est bien sûr la crypte de Dan. On va aller dans la crypte de Dan. La crypte de Dan. Oui, blablabla. Le meilleur endroit où aller si vous cherchez un Dan mort. On s'en souvient, hein. Après 10 fois. Alors, récapitulons. Un petit peu. Oui, bon, ça fait 20 fois qu'il nous le dit. Hein. Ce qui est très bizarre, c'est que quand on est ici, il nous met 0% du calice. Ça, c'est très très étonnant quand même. Alors, au niveau des objets, on a apparemment tout. Puisqu'on a l'arc ici, on a le foudre, le poulet, le comment, l'armure du dragon. Ce qui est bizarre, c'est qu'il nous montre pas l'arc et l'arbalète, mais c'est, j'ai l'impression que c'est les armes de base, quoi. Donc on les a de toute façon. Massue, bah on a, j'ai l'impression qu'on a tout, les amis. Donc ça serait apparemment le dernier épisode à jeudi prochain. Alors attendez, quand même. Attendez 2 secondes. Vérification. Il y a encore du poulet ici, donc on va pouvoir s'en servir. Je sais pas si ça va être utile, mais. Il y a encore de poulet ici si on a faim, si jamais. C'est quand même très étrange qu'il nous marque 0% du calice. Est-ce que vous entendez? Attendez, mais il n'y a pas un truc par là? J'entends un monstre. Il est où? Enfin, moi, ce qui me paraît en fait super bizarre, c'est que... Il y a marqué 0% du calice, quoi. Il y a un calice quelque part, j'en suis sûr et certain. Pourquoi il nous montrerait 0% du calice? C'est pas logique, hein.
Ça, c'est pas des ennemis. J'essaie de chercher un peu pour voir, mais... Il y a des bruits. Je rêve pas, il y a des bruits par là. C'est flippant. Est-ce que c'est ça, juste... Attendez, on va lire un petit peu. Nanana. Donc ça, c'est les créatures qu'on a rencontrées. On va pas tout lire. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Relique, artefact. Non, mais ça, c'est tout le tutoriel. En fait, je suis en train de refaire le tutoriel. Ça, c'est la map monde. On s'en fout. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Journal intime de... Ouais, non, ok. Bah, c'est bizarre. Écoutez, je vous avoue que c'est très étrange quand même. Oh! Ok, très bien. Alors ça, pourquoi pas? Waouh, très bien. Alors, c'est bizarre. Très honnêtement, c'est bizarre. Mais je savais qu'il y avait un truc, qu'il y avait un bruit chelou. Mais c'est ici que je le découvre, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Alors, du coup, on va avoir un calice. Il y avait bien un calice, du coup, dans ce niveau. Eh bien, c'est très très cool, ça. Du coup, on va avoir une autre arme. C'est ça? Panthéon des héros. Panthéon des héros. Amenez vos enfants. C'est comme un parc d'attractions avec des types armés jusqu'aux dents. Alors, c'est bizarre parce que du coup, on aurait pu le découvrir avant, ça. Vous me l'avez peut-être même dit et j'ai pas fait gaffe dans les commentaires. Alors, dans ce cas-là, je suis vraiment désolé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Puisque ça, c'était censé être le dernier item, selon moi. Donc, on va avoir un truc... Ah, bah nickel. Un bouclier. Air Fortes qui me rend à nouveau officier, tiens. Tu as l'air meurtri et faible, c'est évident. Tu ferais mieux d'utiliser ton bouclier magique. Le bouclier magique est l'arme scientifique la plus évoluée du... Bon, pour l'instant, nous allons te redonner des forces pour la bataille qu'ils annoncent. Bois cette potion pour être aussi puissant qu'un guerrier comme Karl Stormgard. Mais, pas aussi beau, bien sûr. Oh, alors ça, flacon de santé, c'est très bien. Mais c'est bizarre, il m'a parlé d'un bouclier magique et je n'ai pas de bouclier magique. Donc, remboursé. Non, non, à la limite, je préfère carrément la potion. Puisque ça me donne 100 points de vie en plus. Alors, non, moi, ça me va. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on a tous les calices. Je pense vraiment qu'on a tous les calices, qu'on a tout fait, que c'est parfait et que le prochain épisode sera probablement le dernier ou alors avant-dernier si on n'arrive pas à finir. C'est incroyable, c'est allé plutôt vite. De toute façon, je ferai une conclusion à la fin du let's play. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à jeudi pour l'épisode 14. Ciao ciao.